Je me sens toujours mélancolique lorsque le crépuscule arrive. Pas toi? On dit que c'est le seul moment où l'au-delà et notre monde se découpent. Le seul moment où l'on ressent l'angoisse des âmes bannies dans ce monde sans lumière. C'est de là que vient cette solitude, ce désespoir qui nous déchire le cœur entre chien et loup. Link, j'ai une faveur à te demander. Après-demain, je dois partir pour Hyrule, remettre un objet à la famille royale. Le chef du village m'a désigné pour cette mission, mais tu ne voudrais pas y aller à ma place? Dis-moi, tu n'es jamais allé à Hyrule, n'est-ce pas? Le château du royaume d'Hyrule est magnifique et la citadelle à ses pieds est beaucoup plus vaste que notre village. Et ce monde créé par les déesses l'est encore plus. Tu devrais découvrir toutes ces choses par toi-même. Nous ferions bien de rentrer au village. Je vais tout expliquer à Boane. Et c'est moi, Oliver Plasma, qui va vous faire cette vidéo. C'est Zelda Two Lake Princess, un jeu fait en 2006, l'un des derniers jeux de la GameCube, et le premier de la Wii. Et là, je fais celui qui est sur Wii. Bon, il n'y a pas trop de différence, à part viser. Sinon c'est la même chose que sur GameCube, les graphismes sont les mêmes. Et franchement, ce Two Lake Princess, j'ai vraiment aimé ce Zelda-là. Et j'aime bien les Zelda qui sont sur le style graphique, plus la réalité. Car le Zelda Wind Waker sur GameCube, c'est en 2003, il faisait trop dessin animé. C'était trop animé, quoi. Bon, je vous laisse. Là, je vais peut-être faire les voix des personnages, ce sera peut-être pas mal. Hey oh, Link! Tu es là? Désolé de te déranger, mais tu veux bien me donner un coup de main pour rentrer les chèvres? Ces derniers temps, elles font comme si j'étais pas là. Hein? Où est Epona? Mais oui, Epona a disparu. Où est-elle? Viens vite et emmène Epona avec toi. Bon, je vais d'abord faire un petit truc. Pour ceux qui ne savent pas, on peut aussi enlever la fée là, parce que c'est un peu chiant. Voilà. Donc, c'est pas ça. Voilà, c'est le pointeur, faut mettre non, simplement. Par contre, après, quand on tire à l'arc, on vise plus sur l'écran. C'est avec le stick directionnel. Donc, dans ce jeu, on va voir des beaux gosses. Comme Xanto, que vous allez voir plus tard. Et aussi Ganondorf, que vous allez voir largement plus tard, qu'on voit plusieurs fois. C'est l'ennemi juré de Link. On le voit plusieurs fois dans d'autres Zelda. Car c'est vraiment... C'est comme Sonic avec Dr. Robotnik ou Mario avec Bowser. Oh, Link! Epona est prête. Je l'ai brossée et triée pour toi.
Voilà. C'est là qu'on prend Epona. Et on va revoir le petit paysan qui nous a appelé avant pour ranger ses chèvres. Ses petites chèvres. Le beau village paisible. Il ne va pas être très paisible pour longtemps. On voit bien que pour la Wii, on peut faire mieux largement graphiquement, mais pour les GameCube, franchement, c'est toute sa puissance. On voit toute la splendeur de la puissance de la GameCube, franchement, pour une fin de vie d'une console, c'est vraiment réussi. Excuse de t'avoir fait venir aussi vite, Link. Tu sais, les chèvres n'obéissent plus ces jours-ci. Désolé de te demander ça, mais tu peux les rentrer dans la bergerie avec Epona? On n'a pas beaucoup de temps, alors tu peux commencer tout de suite. Bon, bah, suffit de les chasser jusqu'à ce qu'elles rentrent dans la bergerie. Bon, là, faut en ranger 10. Il y a parfois des petites missions, des petits jeux comme ça dans le jeu. C'est assez sympathique. Dans la plupart des Zelda, il y a des petits mini-jeux comme ça, qu'on peut trouver n'importe où dans la plaine d'Hyrule. Oula, la chèvre n'est pas contente. Et comme d'habitude, pour les cœurs, il y aurait des fragments de cœurs, des quarts de cœurs, qui seront cachés dans des coffres, dans des donjons ou ailleurs, ou en finissant une mission. Bon, je vous laisse un peu profiter de la bande-son. Link, Epona, merci beaucoup. Demain, je vais me débrouiller tout seul. Repose-toi bien. Oh, et maintenant, tu fais quoi? Tu veux faire un petit entraînement en saut d'obstacle avant d'entrer? Juste une seconde, je te prépare le terrain. Et voilà, tu peux t'entraîner autant que tu veux. Quand tu auras fini, saute par-dessus le portail pour partir. Bon, bah, fini tout de suite, moi. Pas besoin de se faire chier. Ça ne sera pas souvent ces sauvegardes-là. La plupart du temps, on sauvegarde automatiquement. Bon, sur ce, je vais terminer maintenant. Parce qu'avec cette caméra, on peut prendre que 10 minutes maximum. C'est la caméra de la 3DS, donc ce n'est pas incroyable. La capacité de cette caméra n'est pas... Elle est bof. Mais bon, on fait ce qu'on a. On fait ce qu'on a avec. Et... Peut-être à Noël, j'aurai une super caméra en HD où on pourra filmer au moins pendant 40 minutes. Un petit épisode en 40 minutes, ce serait très bien ça. Donc sinon...